Des dizaines de milliers de Thaïlandais se réunissaient chaque année pour lui rendre hommage le jour de son anniversaire. En quelques décennies, le roi Bhumibol avait cultivé une image d'homme simple, amateur de jazz et de photographie. Et à chacune de ses hospitalisations, ils étaient des milliers à prier pour son rétablissement. Le roi est très important pour nous, parce qu'il a tout fait pour le peuple. Il est comme un ange. Je prie en regardant sa photo sur mon lit tous les jours. Son image de bienfaiteur vient notamment de son intérêt pour le développement rural de ce pays encore très agricole. Et même si la famille royale est milliardaire, le roi conservait son image pure de demi-dieu. Il avait un yacht, mais il faisait 5 mètres de long. Il avait des palais, mais de taille modeste. Il ne passait pas son temps à l'étranger, il était concentré sur le développement de son peuple et ça l'a rendu réellement populaire. Les voix critiquant la monarchie sont inaudibles en Thaïlande. Une loi de lèse-majesté punit de 15 ans de prison toute position jugée anti-monarchiste. Le rôle symbolique du roi Bhumibol était fort dans cette monarchie constitutionnelle et son approbation des changements de gouvernement indispensable. Il a ainsi approuvé la junte militaire arrivée au pouvoir par un coup d'État en mai dernier. Il y a eu plus d'une dizaine de coups d'État au cours desquels les militaires ont pris le pouvoir des mains d'hommes politiques élus. Ils avaient son soutien. Il a toujours semblé penser que c'était le moyen d'obtenir que la Thaïlande aille dans la direction qu'il voulait, qu'il s'agisse de combattre le communisme, de mettre en place une politique de développement ou de chasser un gouvernement de politiciens corrompus. Son fils doit lui succéder sur le trône, mais il lui reste un long chemin à parcourir avant d'atteindre la popularité de son père. Les tumultes politiques des 10 dernières années sont largement dus aux craintes sur l'avenir du pays après la mort du roi. Les prochains mois devraient se révéler décisifs, une fois que les Thaïlandais auront fait le deuil de celui que beaucoup pleurent comme le père de leur nation.